Pour pouvoir proposer cette aisance aquatique, on n'a pas besoin de grandes piscines à 25 millions d'euros. Roxana Maracinanu, ministre des Sports. Ma mission sur ce projet d'aisance aquatique pour tous les enfants qui ont entre 3 et 6 ans, c'est de les mettre en confiance dans l'eau le plus tôt possible. Aujourd'hui, on a démarré plusieurs expérimentations à Mulhouse sur le temps des vacances scolaires. On a des enfants de 5-6 ans et l'idée, c'est de proposer au-delà d'un mode de garde cette compétence d'être en sécurité dans l'eau. C'était le cas aujourd'hui où les parents sont sortis ravis, où les enfants avaient fait beaucoup de progrès entre le premier jour du stage et le dernier jour du stage. Ils ont tous appris à mettre la tête sous l'eau, à rester en apnée au moins 10 secondes. Familiariser les enfants sur les quatre compétences clés en fait sportives, se déplacer dans l'air, les familiariser au milieu aquatique, leur apprendre à faire du vélo, leur apprendre à glisser. C'est ces quatre compétences qui nous paraissent essentielles pour pouvoir derrière avoir une vie sportive de qualité qui va leur permettre d'avoir une vie de qualité. Mulhouse Olympique Natation ici, qui n'avait peut-être pas l'habitude aussi d'aller proposer leurs services à tous les pans de la population. Aujourd'hui, ils ont accueilli aussi tout un groupe en mixité sociale, avec des enfants très jeunes aussi. Le sport, finalement, n'est pas accessoire, mais n'est qu'un outil, finalement, pour communiquer entre nous. Arriver à parler plus simplement aux gens, en tant que politique, c'est important parce qu'on a vraiment un enjeu de faire comprendre aux citoyens ce que nous faisons au quotidien, de faire comprendre aussi que le quotidien ne peut changer que si les gens du quotidien s'engagent aussi dans la politique. Et aujourd'hui, le fait de voir que ça peut se répandre et ça peut se passer à l'échelle d'un pays, c'est très réjouissant de voir que ça peut servir les autres. Mulhouse, c'est ma ville, donc j'y reviens aussi pour ma famille, pour me retrouver avec eux ici, et puis les gens avec qui j'ai vécu pendant de nombreuses années cette aventure sportive. Voilà, j'adore y revenir quand je peux y revenir.